C'est scandaleux, c'est écœurant, c'est déplorable. D'ailleurs, je profite pour remercier les différents grands frères et abonnés qui nous ont écrit, en tout cas qui m'ont écrit en ce qui me concerne pour me féliciter par rapport à tout ce que nous disons. Ben, Amadou, comment ça se passe? Djabi, Heidi. Nous vous comprenons, merci aussi. On ne se réjouit pas de ce qui arrive à notre pays. Mais si vous reconnaissez notre travail, notre boulot, quand on disait que ce sont des gens qui sont venus pour s'enrichir, l'objectif du coup d'État, c'est uniquement s'enrichir. L'objectif de ce coup d'État-là, ils se sont dit que ceux qui ont passé tout leur temps là, aux côtés du professeur Fakonde ont assez volé. Donc, eux aussi, comme ils ont quelqu'un qui est un traître, un malhonnête, ils vont l'utiliser pour prendre le poste à Fakonde afin de s'enrichir. Oui, Asanda, c'était juste, voilà, quand est-ce là, quelques semaines comme ça, tu disais que la CEDEAO voulait remplacer un voleur par un voleur. On voulait retirer le pouvoir à un voleur pour remplacer par un voleur. Il n'y a pas de problème. Moi, grand cascadeur, bonsoir. Je le répète encore une fois. Dumbuya Neda finalement Benito, ton grand frère. Voilà. Neni Allah Temalaro, Walloy Billay Talay. Nele Kafi, ite tele habadan. Ibrahim. Ite tele habadan. Neke l'entene mousso, ramantoulay kolon, tene. Salut maman. C'est que Allah le kandel boiro, Allah le kanna keleke, Allah le kamma deme. Allah le kila maloye avant même que coup d'état est kila. Ne di barka bla Allah e. Ça dit une sewane parce que ko même be la sorona a ekel la avant que ibo pour na ma kila. Ko gola lo di mais Allah le kan demain parce que a ekel la le avant que mordo imina avant que coup d'état est kila. Ah là. Ne bra fouyera si le professeur Fakonde a fait ta vie. Si le professeur Fakonde a refait ta vie, Wallah, il te télé, Abadan. Et télé, Mundi, tu ne vas jamais te retrouver. Et quand alors, elle a club maintenant dit, c'est-à-dire, c'est s'asseoir autour d'un café pour dire qu'il y a Bakulita Kala. C'est-à-dire, quand on café la Kuma, bar la Kuma, quoi, à Norman Balik, il dit si Ataya là ou café trophée, Manamanakane Bolidaro. Votre club là, c'est-à-dire, on t'a dit que tu peux gérer un pays. Tu penses qu'on gère un pays avec une arme? On gère un pays avec une coopération. On gère un pays avec des investissements. On gère un pays avec la coopération internationale. Voilà, tu as un ministre des Affaires étrangères qui ne peut même pas amener un investisseur en Guinée. T'as compris? Tu as un ministre des Affaires étrangères qui ne peut pas valider ton pays devant les institutions internationales. Où le procès Alpha Condéma? Que la CEDEAO voulait retirer le pouvoir dans les mains d'un voleur, le remplacer par un voleur. Plus de 480 combien de milliards. Et puis, ça c'est des choses qui ne sont pas détaillées. Le vrai problème, c'est qu'on ne te dit pas que le vrai voleur, il est à un mètre de toi, n'est autre que Amara. Parce qu'on n'audite pas Amara. Amara, lui, ne fait pas partie. Ceux qui sont à la présidence ne font pas partie des audits. On n'enquête pas sur Idi Amin. On n'enquête pas sur Amara. Donc, l'argent là n'est pas exact. Voilà. On n'enquête pas sur toi-même. On n'enquête pas sur Sidiki Bamara. On n'enquête pas sur Kalo. Donc, c'est un domaine secteur. Juste une partie. Si on enquête sur tout le monde là, c'est quelque chose qui peut aller jusqu'à 1300 milliards. L'argent ne rentre pas dans les caisses de l'État. L'argent rentre automatiquement dans les poches des gens qui t'ont financé pour s'attaquer au président de la République. Tu sais, longtemps, les gens ont parlé du problème de mines. Oui, mais certes, les mines font partie. Les personnes qui t'ont financé là, ils se sont déplacés pour aller raconter Stemens pour dire que nous voulons renverser Alpha Condé. Ils ont reçu aussi le soutien des Stemens. Partagez-moi la vidéo.
Wallahi billahi Allah, il te téléaba. Hey, il te bolaro. Moi là, je mets pas la faute sur toi. Hein. Je mets la faute sur le peuple guinéen. C'est des populations ne sinikina bima. Dans les autres pays là, quand il y a des scandales comme ça là, c'est un soulèvement. Un soulèvement. Il n'y a pas un secteur où on ne vole pas à ton niveau. Malheureusement, Moltnanyaina, pour les gens là, moi je me dis que vous êtes en train de distraire les gens. Vous êtes en train de distraire. Vous avez fait ça pour dire non, vous luttez contre la corruption. Vous avez fait ça pour dire que non, vous êtes là pour le peuple guinéen. Mais ce que vous faites là n'impacte pas le panier de la ménagère, n'impacte pas le portefeuille de la population. Regardez par exemple, quand j'entends un premier ministre nul, un premier ministre qui n'a même pas de programme, un chef de gouvernement qui ne peut même pas donner un programme de développement. Lui, il dit que chaque cadre des ministères là doit passer à la télévision et à la radio pour justifier, pour défendre leurs programmes. Mais au lieu de faire passer les cadres des départements, lui-même en personne, le premier ministre là, il n'a qu'à nous dire ce qu'il a fait en 3 mois. Lui Gomu n'a qu'à nous dire ce qu'il a fait en 2 mois, ce qu'il a fait en 5 mois. Donc, ce ne sont pas ces différents passages-là qui sont importants. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça, ce sont des... Moi, les gens ont envoyé tellement de messages, mais laissez-moi tranquille. Vous pensez que ça sont des enquêtes, ça? Hey, tout ça, là, c'est pour vous distraire. Tout ça, là, c'est pour dire au peuple là, qui lutte contre la corruption. Mais tous ceux qui sont en prison jusqu'à nos jours-là, qui a été jugé? Moi, je vous ai dit, je voudrais que Doumbouya vienne nous dire, Ali Touré de la CRIEF, qu'il vienne dire au monde entier, depuis que j'ai commencé à lutter contre la corruption, là, voilà le montant que j'ai trouvé derrière les gens qui sont en prison. C'est ce qui est important. Voilà. Voilà le montant que j'ai trouvé derrière ceux qui sont en prison. Mais il n'y a pas de montant, il n'y a pas de bilan. Et vous êtes là en train d'observer, de regarder, et puis les gens se regardent. Ah, Mugere Soma, n'était que là que là. Mindom Tawaka. En tout cas, donc, c'est entré là-bas. Restez dans ça là. Moi, Benito, je ne pleurerai jamais pour le peuple guinéen. Je suis pour. Si c'est en politique, je vais défendre le peuple, me battre pour le peuple. Mais par rapport à une junte, par rapport à des militaires, je ne viendrai jamais défendre un peuple pour ça. Parce qu'il y a eu tellement d'exemples devant nous, tout récemment au Burkina. Lorsqu'il y a eu des signatures de contrats entre Damiba et la France, le peuple est sorti pour le sachet. Maintenant, vous êtes là, vous n'avez même pas à manger. Même un plat, vous ne gagnez pas par jour. Vous voyez Amara en train d'acheter des terrains parcellaires. Amara vient d'acheter 3 parcelles collées à Cancan, à Sobet. Les gens sont en train d'acheter les maisons, les terrains par-ci, par-là. Là. Et puis vous êtes assis, vous êtes d'accord. Voilà, Ansonio. Mais c'est bien. Ah! Voilà encore dans les 2 jours là. Ils vont trouver un moyen de communication pour faire passer ça là. Ça là, c'est pour vous distraire. Oh, attends, calama. Regardez quelque chose pour. Ils sont en train de vous distraire. Suivez-les. Vous avez demandé à Sampil s'il a enquêté sur les biens d'Amara. Vous l'avez demandé s'il a enquêté sur les biens de l'intendant militaire. L'intendant militaire, aujourd'hui, travaille avec Idi Amin. C'est des gens qui sont des milliards. Vous avez demandé à Sampil s'il a enquêté sur ceux qui travaillent. Je vais vous donner 5 noms. 5 noms, hein. 5 personnes. À eux, là, les 5 là, si on enquête aujourd'hui sur les activités, là, nous allons nous retrouver à plus de 500 milliards. Seulement les 5 personnes. En ce qui concerne les 5 personnes, vous allez vous retrouver dans les 500 milliards. Je prends 1. Kalo. 2. Sidik Bamara. 3. L'intendant militaire. 4. Idi Amin. 5. Amara. Vous prenez les 5 personnes aujourd'hui. Si on enquête derrière les 5 personnes là, wallah, vous allez retrouver 500 milliards. Et puis, je vais vous dire la vérité. Retenez ça pour de bon. Après le CNRD,
Si le Seigneur départ par un coup d'état là, Idi Amin, Amara, Mori Kamara, Bala est petit dedans, Sidikba Amara, Kalo, ils vont passer le restant de leur vie en prison parce qu'ils ne pourront jamais justifier leur bien, l'argent qu'ils ont volé à ce pays-là. Ils ne pourront jamais justifier. Vous comprenez? Donc, asseyez-vous, mangez-vous. Je dis bravo, félicitations au CNRD. Ne balcaldi, ne volez pas et prenez tout l'argent de ce pays-là. Enrichissez-vous. Le peuple est assis. Le peuple ne souffre pas. Non, le peuple ne souffre pas. Si vous souffrez là, vous allez réclamer parce que le pays vous appartient. Le pays n'appartient pas à une ethnie. Le pays n'appartient pas à un individu. Mais c'est parce que vous ne souffrez pas que vous ne réclamez pas. Acceptez de recevoir 200 000, 500 000. Et taisez-vous. Il n'y a pas de problème. Calmez-vous. Ne dites rien. Calmez-vous. Comment des jeunes qui n'ont même pas 50 ans, qui n'ont pas 40 ans, peuvent se permettre de se partager le bien du pays? Des jeunes âgés de 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans, peuvent se partager plus de 500 milliards. Vous n'avez rien à manger et vous êtes assis. Mais c'est facile. Jusqu'à les Amara ne se cachent plus en achetant les terrains. Amara, c'est aller à Sogbe, Kankan Sogbe. Demandez à combien il a acheté le terrain. Actuellement, là, qu'est-ce que les jeunes font? Qu'est-ce que les jeunes font actuellement là? Quand ils trouvent des marchés comme ça, là, des terrains, des parcelles ou des plantations, là, ils viennent facilement proposer. Ils viennent facilement proposer. Proposer à Amara, proposer aux membres du CNRD. Ah, il y a un terrain ici là. C'est 20 milliards. Il y a un domaine ici, là, c'est 10 milliards. Ils achètent, mais ils ont l'argent. Ils ont l'argent. Oh, vous n'avez rien compris. Bravo, le CNRD. Volez. Prenez tout. Le peuple ne souffre pas. Il ne souffre pas, hein? Le peuple ne souffre pas. Sinon, ils vont réclamer. Quand tu souffres là, tu vas réclamer. Mais vous ne souffrez pas. Quand tu souffres, tu réclames. Maurice Nda, tu as vu, non? C'est ce qu'on appelle le vol. Maurice Nda, si le professeur Fakonde s'était mis à acheter les parcelles, des terrains construits par-ci par-là dans le monde, acheter des châteaux, ouais, on pouvait facilement accuser le professeur des voleurs. Mais Weni Alani, professeur Fakonde, le thème, Ambaranta di Alama, le manque de respect, Ibilakro, Nafote, tu as dit ça, Fakonde, tu as dit, ne le cafon. Il y a un de tes frères qui m'a insulté. Qui a insulté. Il a insulté mes parents en inbox. Mais moi, je le dis publiquement. Ibilakro. Voilà. J'ai même oublié. Il y a un de tes parents qui a insulté mon père. Donc, Kavonkonda, là, c'est publiquement, Maurice Nda. Ibilakro. Voilà. S'il m'insulte en inbox, je vais insulter publiquement contre toi. S'il y a un voleur dans ce pays-là, voilà maintenant le vol. Le peuple, moi je peux dire que le peuple est complice du malheur de la Guinée. Oui, Asandaï, Bilakro, ne le cafo. Il y a un de tes frères qui a insulté mon père. Je retourne contre toi. Voilà, ne le cafo. Afin qu'on n'est pas ton camarade. Un salaud comme ça, là. Un bonarien, un vaurien. Un clochard comme ça, là. Tu as vu ce que Dieu a fait? C'est la honte qui est sur vous comme ça là. Venez, il faut sortir, tu vas te justifier. Quand j'ai vu Gawal parler de la restitution des conseils de ministres, n'importe quoi. Mon frère Yannick, comment vas-tu, champion? Salut Yannick. On a fait le truc sur les mines. Qu'est-ce que les mines la rapportent? L'argent que les compagnies la donnent aujourd'hui là, tombe dans les poches de qui? Dans les poches de Doumbouya directement. Entre au fond, Anikouma Boloka. L'argent des mines là aujourd'hui, à moins d'un an, plus de 400 et quelques milliards, ça c'est une partie. Moi je vous dis, les gens là ont détourné plus de 800 milliards, à moins d'un an, 800 milliards. Mais tu vas aller demander des haineux, des extrémistes,
Ils vont te dire, non, le temps d'Alpha Condé encore, c'était comme ça. Regardez ce pays-là. Donnez-nous un seul exemple d'infrastructure construite par les gens là. Donnez-nous un seul exemple de route faite par le CNRD. J'ai vu la dernière fois un imbécile poster que depuis combien de temps on n'a pas fait la route Symphonie à T6 que voilà le CNRD est en train de faire. Demandez à ce type-là si ce n'était pas financé. C'est KPC qui était malhonnête. Si c'est un projet que KPC a eu, tout a été financé. Dumbuya Nikat, bravo, il était télé. Il était boire, il était télé. Et quand il ne faut donc, à chaque jour que Dieu fait là, c'est une nouvelle complication. Chaque matin, complication de l'équilibre. Alla doué, Alpha Condé, Alla doué. Le procès Alpha Condé est un, c'est-à-dire, c'est l'amour d'Allah. Ce n'est pas entre le procès Alpha Condé et toi. Mais Allah là, il a qu'à faire comme on recolonie dit, en te mettant tous les jours devant des faits. Tous les jours, Dieu te met devant des faits. Tous les jours, Dieu te met devant des faits. De corruption, de malhonnêteté, d'assassinat. Regarde, tu viens de tuer le jeune là, le jeune Soussou là, qui tenait ton sac là, le sac à dos là. Tu as tué Yabi, tu viens. Hey, il faut tuer tout le monde. Hey, moi, je ne défendrai pas les forces spéciales. Moi, il y en a. Je ne viendrai pas pleurer pour un élément de force spéciale. J'ai déjà dit ça. Non, hein. Oh, voilà. Moi, je ne peux pas aller voir la mort. Et puis que je ne bénéficie de rien. Dumbuya, hein. Marie Dumbuya, il n'a rien. Et bien, sur le c'est un moment qui me fait pitié. Parce qu'il n'a ma foi qu'il y a un coup d'état. Ta maman ne t'a pas d'aller faire le coup d'état. Vous voyez, hein. Go. Dans l'avenir, là, je vois la femme là souffrir parce qu'il n'a dit que, l'homme a dit du boulot m'a ventilé. Parce qu'il dit qu'il dit ça. C'est-à-dire qu'il y a tellement de dossiers derrière toi là. Il dit qu'il dit ça. C'est à cause de ça que je demande à Ouyasanda. Ouyasanda, il bilakoro, mbalafouyena. Je demande à Dieu. Allah, il m'a demandé. Que Dieu t'aide. Kouneda Karaké Doumbouya là. Mais Kouneda Karaké Doumbouya, il m'a cobra ça. Moi-même, ma prof, ça fait qu'on est indigné, propre. Olé. Il est netao. C'est ton parent qui a insulté mon père. La façon dont il a insulté mon père. Nkao le faire encore qui a insulté mon père. Moi, je vais insulter Ouyasana. Moi, je n'insulte pas. Hein. Mais je vais insulter le clochard, le salaud. Voilà, devant le monde entier. C'est un salaud. Un bon arrière. Maintenant, il y a un mot ici. Il faut te lever, il faut te ramasser pour venir dire que non. Bien expliquer, parce que tous les jours vous justifiez. Moi, je n'ai jamais vu des personnes. C'est-à-dire, vous prenez le pouvoir, vous n'avez pas la paix. Il faut rendre le pouvoir. Arrêtez télé. Hein, vous n'allez jamais. Allez, Alpha Condé, Alala Moli. C'est Dieu qui a créé Alpha Condé. C'est Dieu qui a, c'est-à-dire c'est Dieu qui a fait Alpha Condé. Monter à Imamé pour Kankanka lui. C'est à cause ça que je suis fier de Kankan. Trop fier de Kankan. Moi, Hani Diamité, moi cité Doumbouya la Koro. Et je voudrais m'adresser à Suleiman Keita Duno. Je tombe direct mais et à Sambou Keita. Voilà deux jeunes qui ont promis à Amara de le remettre le RPS arc-en-ciel. Mais seulement, ce que moi je voulais te dire, parce que Amara, j'ai fait plus de deux vidéos sur toi, c'est que tu es en fin de carrière. Il m'a dit que tu es un lâche. Il m'a dit que tu ne peux pas te retenir. Sambou Keita, là, c'est toi qui as mis Sambou dedans. Sambou Keita. Tu as compris? C'est toi qui as mis Sambou dedans, Sambou Keita. Tu as été ministre du conseil du professeur Alpha Condé. Tu as eu l'honneur. Tu as été député. Tu as gagné tout. Mais incapable de. Alpha Condé n'a pas dit d'économiser. Il n'est pas ton maître en économie. Si tu n'as rien économisé, mais c'est ton problème. Actuellement, tu souffres. Si tu souffres là, est-ce que c'est la faute du professeur Alpha Condé?
mais tu te permets d'aller te vendre moins cher. Mais et toi, et toi, et Sambouma, je le dirais, c'est que vous n'êtes pas important. Les gens m'ont écrit, Benito, tu as vu le comportement de Souleymane, je dis, il faut le laisser. C'est vous qui donnez une valeur à Souleymane. Voilà, moi, les valeurs de Lima, tu n'es pas important, tu n'es qu'un lâche, tu n'appartiens à aucune structure de RPG. Donne-nous. Et puis, ce qui me fait mal, c'est quand tu te dis que tu vas remettre le RPG à Amara. Amara, lui, n'est pas allé à l'école. Amara, là, il n'est pas allé à l'école. Et puis, toi-même, tu ne peux pas parler devant Dr. Kassori. Tu ne peux pas t'exprimer devant M. Komara. Tu ne peux pas parler devant Dr. Saloum Cissé. Tu n'as pas le kilo. Il te sait. Et puis, je te rappelle, Saloum Cissé, là, il est parent à Idi Amin. Lui, il peut dire ce qu'il veut. Personne n'ose le toucher. Voilà, même si il peut dire ce qu'il veut, je ne vois pas quelqu'un qui peut venir le prendre. Il te fout ce calama. Bande de malhonnêtes. D'ailleurs, toi-même, tu n'es pas. Tu n'as pas de charisme. Tu veux seulement un nom. Il faut prendre ton nom là. Et puis, moi, je vous ai dit, quand nous allons finir avec Doumbouya, là, moi, Benito, quand l'affaire de Doumbouya va finir, là, je vais voir, je vais regarder, je vais observer. Analyser mon avenir dans le RPG Arc-en-Ciel, moi, Benito. Parce que je ne peux pas vivre, travailler avec des lâches, moi. Moi, là, personnellement, quand ça va finir, quand l'affaire Doumbouya va passer, là, quand nous allons commencer les élections ou autre chose, là, je dois d'abord vérifier, regarder, penser à mon avenir, à parler du RPG Arc-en-Ciel. Parce que, franchement, vous ne faites pas honneur au RPG. Et Sambou Keita, là, tu sais très bien, Ekalon, que c'est toi qui m'as envoyé l'invitation, Sambou Keita. C'est toi qui m'as envoyé l'invitation sur les deux pages là. Et moi, je ne te bloque pas. Hein. Quand je vais avoir assez de temps là, je vais t'écrire. Parce que Ibra Koulob, moi, je te prends comme un Koulob. C'est-à-dire, comme un Koulob, c'est-à-dire, mon Koulobali. Ibra Koulobali, il faut y aller. Aïe, soule, aïe, 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 comme mon Koulobali. D'abord, vous n'êtes pas allé à l'école. Même si, parce qu'aller à l'école là, c'est aller à l'école, retenir. Mais tu es allé à l'école, tu as laissé le. Je retiens là. C'est comme Souleymane Keita. Il dit qu'il est philosophe ou quoi là-bas. Mais il est allé à l'école, il a laissé ça derrière lui. C'est les gens qui font plus honneur. Comment toi tu peux expliquer à tes étudiants la stabilité politique? Comment toi tu peux expliquer à tes étudiants que quelqu'un doit être fidèle? Comment toi tu peux expliquer à tes étudiants l'honneur, Souleymane Doulo? Comment est-ce que toi tu peux expliquer aux étudiants qu'on doit rester constant, stable, évolutif dans la vie? Mais il faut les expliquer l'hypocrisie aussi, parce que tu es un hypocrite. Un simple hypocrite. Plus que le salopard là, qu'on appelle Ouyasanda, Morisanda, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération ou quoi là-bas, qui n'a même pas envoyé info. Qu'on appelle ça? Ouyasanda n'a même pas pu avoir un projet. Il n'a même pas pu envoyer une compagnie à la Guinée. Ouyasanda, dis-nous ce que tu as envoyé à la Guinée. Espèce d'ordi. Voilà des salauds qui passent tout le temps à manquer de respect au professeur Fakonde. Des imbéciles, des malhonnêtes comme ça là. Tout le temps. Alpha Condé avait fait ça. Autant d'Alpha Condé, autant. Voilà des salauds qui ne peuvent pas s'assumer. Assumez-vous. Nous, on s'assume. Assumez-vous. Donc, frères et sœurs, c'est ça. Et on se reprend tout de suite. Il y aura un autre direct. Bande de salauds. Allez gérer cet argent-là. Doumbouya, si tu es garçon, il faut ramasser ceux qui ont volé et les mettre en prison. Prenez-les à mettez-les en prison. Quand tu te mets à ramasser les gens qui se sont partagés les 400 et quelques milliards, là, tu vas arrêter beaucoup de diaspos. Les diaspos qui ont fait, c'est-à-dire qui ont fait croire aux gens qui sont sortis de la Sorbonne, ils sont sortis des universités américaines, là. Beaucoup vont aller en prison. Beaucoup vont aller en prison. D'ailleurs, votre formule est connue. Hein. Bientôt, vous allez dire à ces gens, bon, envoyez un peu d'argent là, nous allons, pour ne pas que vous soyez poursuivi. On connaît le système, on connaît la formule. Il se peut que vous demandez aux gens de déposer de l'argent pour ne pas aller en prison. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire ça. Donc, portez-vous très bien. Ouyasanda, viens expliquer aux Guinéens encore. Avec le scandale, les montants là. Venez expliquer aux Guinéens, bande de salauds. Monsieur Gomou,
S'il te plaît, ouvre le dialogue. Il faut ouvrir le dialogue. Au lieu que tu demandes que chaque ministre passe à la télé, ou bien je ne sais pas sur quelle chaîne là, expliquer comment ils gèrent le département là. Nous connaissons comment les départements sont gérés. Nous connaissons comment l'administration est gérée actuellement là. Depuis un an là, on sait comment c'est géré. Vous comprenez? Nous connaissons comment l'administration est gérée. Non, personne n'a besoin d'explication par rapport à ça. Vous allez voir, d'ailleurs vous n'avez pas de vue. Quand la RTG est connectée là, la RTG est en débat là, il n'y a même pas 5 personnes qui suivent la RTG. Même ceux qui travaillent là-bas. Même les travailleurs ne suivent pas la RTG. Les travailleurs même n'arrivent pas à suivre la RTG. Parce que tout ce qui sort là n'est que des mensonges. Faut de souris, merci beaucoup. Code de cadre, vous allez choisir des cadres, taille et mesure, pour venir raconter n'importe quoi à la télé. Nous avons investi, nous avons assaini des fichiers, nous allons faire comme ça, nous allons faire comme ça. Vous avez assaini des fichiers. Voilà les scandales qui sortent comme ça. Des voleurs comme ça, des salauds. Nous on se bat pas. C'est Dieu qui est en train de faire notre combat en douceur. Aïdi Maloya, hey, Allah. Dans ça là, si on fait un coup d'état contre vous, mais c'est fini. C'est les médias vendus là, grande gueule des films là. N'a fait qu'allier Londé. Après, le Seigneur de comment ils peuvent s'expliquer devant le peuple. Portez-vous très bien. Excellente soirée. On se reprend dans 2 heures. Merci beaucoup pour partager la vidéo. Moi, je prie de tout puissant Allah. Dieu, ce qu'on t'a fait, il faut nous pardonner, Dieu. Dieu, ce qu'on t'a fait là, pardonne-nous. Pardonne-nous, Dieu, le Tout-Puissant. Pardonne la Guinée. Pardonne-nous, pardon. Il faut nous pardonner, Dieu. Parce que franchement, c'est une sanction divine. Ce qui arrive à la Guinée, c'est une sanction divine. Sinon, comment est-ce que les gens peuvent voler des milliards? Le peuple est assis et ne dit absolument rien. Non. Non. Omondo, merci. Comment vas-tu? Mbemba Keta, il m'a demandé ça. Dieu, il faut nous pardonner. En Kamen qui a Diafama, Allah. Diafama. Sinon, comment depuis plus de 9 mois? Scandale sur scandale, Kamalo, comment vas-tu, Kamalo? Scandale sur scandale. Mais wallah, le peuple est assis. Moi aussi. On dirait que certains ont accepté leurs souffrances. Donc portez-vous bien. Merci à Allah. Diafamade. Nima Diafama. L'onde d'Odyssée, les gens n'auront même pas à manger. Allah Ibrahim, merci beaucoup Yarissila, merci beaucoup. Allah Ibrahim, tous les jours, le gars est en train de tuer les gens des forces spéciales. Et puis ce qui me plaît en lui là, c'est le fait que c'est lui-même qui tire sur les éléments des forces spéciales. Et puis personne ne dit quelque chose. Ils sont là-bas là, personne ne sait à qui ils sont tous. Moi aussi, Koumala, le peuple aussi est assis. Le peuple est assis, on vous parle des milliards. Vous n'avez même pas 10 000 francs à la maison. Eh non, la Guinée peuple. Vous n'avez même pas 10 000 à la maison, vous entendez parler de milliards. Mais personne ne réagit. Bemakouni. Non. Ala Diafama. Ala Nima Diafama. Oh. Nima Diafama. Amakobrasa. Nima Diafama, c'est fini. Sinon, comment est-ce qu'on peut entendre 20 milliards, 40 milliards, les parcelles achetées? Avec des preuves partout. Amara, Mori, Idi Amin, tout le monde est en train d'acheter. Mais moi aussi, Bemakouni, moi aussi, Tekoumala. Et puis pour terminer, il n'y a aucune action qui montre que nous allons aux élections aussi. Aucune action n'est en vue. Au Moldave, il faut encore bientôt les élections. Il n'y a pas de recensement, ils n'ont pas le recensement. Il n'y a absolument rien. Bessini. Oh non! Yeah! Aucune action qui montre que nous irons aux élections. Rien! Tout ce qui se fait actuellement là dénote que Mamadi veut rester longtemps au pouvoir. Au bras, faut abrasser. Moi aussi, t'es. Oh! Et Allah, pardon, portez-vous bien.